La première journée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire s'est terminée mercredi sur la pelouse du stade Laurent Poku avec la rencontre entre la RDC et la Zambie. Un match passionnant qui s'est conclu sur un nul. Les Chipolopolo Boys zambiens ont ouvert le score à la 23e sur une passe décisive de l'attaquant Patson Daka. Les Léopards, eux, n'ont pas perdu de temps pour y poster puisqu'ils ont égalisé 4 minutes plus tard avec un centre de Cédric Bakambu pour Johan Wissa. Les Congolais, double champion d'Afrique, n'ont pas su prendre le dessus sur les Zambiens et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Avec 25 tirs cadrés durant la rencontre contre un seul pour la Zambie, qui d'ailleurs a fini au fond des filets.